Re-salut à tous. On est toujours Place de la République sur TV Debout et on est avec Clément, notre Clément à nous. Bonsoir. On a du mal à partager avec les autres tellement on l'adore parce que Clément est à l'origine d'Orchestre Debout et il vient nous voir souvent pour nous annoncer les prochaines étapes, les prochains rendez-vous. Bonsoir. Et dans le prochain concert, ça va être le 4 juin. 4 juin, donc c'est Orchestre Debout session 3. Session 4. Session 4, c'est ça, j'ai raté le 3, moi j'étais pas là. Et ça va avoir lieu à 15h, donc en introduction de la journée thématique TAFTA. C'est un samedi ou un dimanche du c'est coup un samedi. C'est un samedi. Donc en fait c'est un peu en cours de préparation. Exactement, donc à partir de ce soir, les gens vont pouvoir voter pour le choix des morceaux. Donc on a fait une présélection de morceaux qui nous ont été proposés par... les gens qui sont venus aux réunions et aussi les gens qui ont juste proposé sur internet. Et on va les mettre au vote sur un Framadate. Et le lien pour l'accès au sondage sera disponible sur Facebook et sur le wiki de l'Orchestre Debout que l'on peut trouver en passant par le wiki de la Nuit Debout, Paris, Animation, Orchestre Debout. Et donc on va se laisser 3 jours pour voter et choisir quel morceau on va jouer. Donc on a... plus ou moins décidé, mais bon, ça va dépendre du résultat des votes évidemment, mais qu'on allait jouer des chansons. Donc des chansons qui vont être orchestrées pour l'Orchestre Debout par des arrangeurs debout qui vont sûrement y passer leur semaine. Ils sont c'est incroyables, génial. Comme ça avait été le cas pour Bella Ciao à la session 3. Et donc, parmi ces chansons, on va essayer d'en choisir une qui soit brésilienne, parce qu'en ce moment, au Brésil, il est en train de se passer un truc incroyable. Le mauvais côté de la chose, c'est quand même l'espèce de coup d'État déguisé. La destitution de Dilma Rousseff. Voilà, par la droite brésilienne qui est complètement corrompue, mais qui arrive quand même à corrompre aussi les juges pour s'en sortir à tous les coups. Je crois qu'ils ont fermé beaucoup de ministères. Voilà, et donc, une des grosses mesures, mais bon, c'est toujours pareil, c'était une des pires mesures, c'était le fait... Ils ont supprimé le ministère de la Culture, c'est ça ? Voilà, sauf que les musiciens se sont emparés des bâtiments le jour même. Ils ont joué... ils ont joué comme l'Orchestre Debout à la brésilienne, c'était incroyable ce qu'ils ont fait. Et donc 2 jours plus tard, le ministère de la Culture est remis sur pattes. Mais bon, ça c'est juste l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de mesures, suppression du ministère pour les droits des femmes, suppression du secrétariat pour les inégalités raciales qui sont énormes. Au Brésil, c'est comme aux États-Unis, c'est un problème vraiment de fou. Et donc les musiciens brésiliens, les musiciens des pieds brésiliens sont toujours sur le coup. Et donc c'est peut-être pour les soutenir modestement, mais on va quand même jouer un morceau brésilien. Et du coup, je crois qu'il y avait un appel en fait. Je perds ma voix, pardon. En fait, on cherche les coordonnées de quelqu'un, c'est ça ? Oui, voilà. Je sais par mes amis brésiliens que Chico Buarque habite à Paris. Et, Chico Buarque, c'est... Et Samo Sata Diferente, c'est des voilà. Choses comme ça, c'est un grand, grand musicien brésilien. Et donc si Chico nous écoute, ou si quelqu'un connaissait, avait son contact, pour le mettre en contact avec l'Orchestre Debout, ça peut passer par mail, Facebook, tout ça, ce serait super parce qu'on pourrait lui proposer un projet qui envoie du lourd. Quoi. Ce serait si vous avez émouvant. L'ami d'un ami qui peut éventuellement savoir comment connaître contacter Chico Buarque, vous pouvez les envoyer soit vers TV Debout en nous écrivant sur le tvdebout@gmail.com, soit aller directement sur Facebook, sur le groupe d'Orchestre Debout, et donc vous pouvez nous envoyer des coordonnées, que ce soit des coordonnées directes, que ce soit son manager, sa maison de 10, ça n'a aucune importance. Mais du coup, voilà, on cherche ces coordonnées absolument. Et sinon, on cherche surtout des musiciens pour pouvoir faire le concert de la session 4, donc c'est samedi 4 juin. Et ce serait cool qu'on soit encore plus nombreux qu'avant et qu'il y ait plein de chanteurs. Et... Donc même si vous n'êtes pas des musiciens de musique absolument. Classique, si vous êtes des cordes, des cuivres, si vous êtes percussionniste... Quand vous venez de fanfare, de guinguette, de jazz... Il n'y a pas de racisme sur la place de la Que vous jouiez de l'accordéon dans le métro, on prend tous les musiciens, on va prévoir des... Manifestez-vous, on va prévoir des partitions pour tout le monde. Donc du coup, ça veut dire que normalement, comment ça s'organise, les partitions sont récupérables quelques jours avant pour que chacun puisse bosser de son côté. Et ensuite, il y a une répétition qui a lieu 2 ou 3 heures avant le concert. 2 heures avant, elle aura lieu le samedi à 13h sur la place de la République.
Et vous cherchez des chanteurs aussi, parce qu'on va avoir un chœur encore. Exactement. Donc des chanteurs, chanteuses, lyriques ou pas d'ailleurs? Absolument, lyriques, amateurs, tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu sur la place de la République, il faut qu'on soit plein parce que c'est très important ces événements d'Orchestre Debout. Déjà c'est sublime à vivre, je ne sais pas si vous avez déjà venu le faire ici, mais c'est extraordinaire pour à faire. Pour les musiciens aussi. Ouais, c'est vrai, non, c'est sublime, j'adore, je suis fan, j'adore ce que vous faites. Et du coup voilà, n'hésitez pas à aller envoyer un mail à Clément ou à n'importe qui sur la page d'Orchestre Debout sur Facebook. Et on avait aussi un petit message à faire... Ça, c'est un petit message spécial pour les généraux de l'armée de terre française. Si pour la session 4, ils pouvaient libérer nos amis musiciens dans l'armée de terre, parce que la dernière fois, ils les ont interdit de venir jouer à l'Orchestre Debout, eh bien, ce serait sympa. Voilà, merci pour eux, merci pour les copains. En fait, il y a eu des musiciens qui sont déjà venus à Nuit Debout au départ à Orchestre Debout et qui ont pu jouer ou pas du tout? Non, jamais, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on voulait les inviter à venir participer à l'émission ici et puis surtout à aller participer à Orchestre Debout. Et ils sont sous les ordres de l'armée, donc ils ont été formellement interdits de participer à Orchestre Debout. C'est malheureusement le cas. Donc en gros, c'est un appel au... C'est quoi? C'est les ministères qui gèrent ça? C'est quoi? C'est l'armée. Hein. Ouais, c'est ça, c'est l'armée. Bon, écoutez, en tout cas, on serait ravis de vous accueillir ici. Ouais. Et une dernière chose, on a mis en place avec les musiciens de l'Orchestre Debout tous les samedis de 16h des cours d'instruments gratuits qui ont lieu près de la statue. Donc on est une vingtaine d'instrumentistes à proposer de jouer du violon, de la clarinette, de la flûte, du hautbois, du violoncelle. Et on propose aux gens de... Tous les samedis à 16h, voilà. Il y a des cours gratuits. Exactement. Donc si on peut avoir des instruments... des instrumentistes autres que de l'Orchestre Debout, comme des joueurs d'accordéon, de djembé, de mandoline, je sais pas, de n'importe quel. De flûte traversière. Ils sont absolument invités à venir donner des cours aux citoyens debout. C'est vraiment un moment assez spécial, vraiment très sympa. Et, moi, je vais venir. Bien sûr, il faut venir. Donc tous les samedis à 16h. Près de la statue. Sur les marches de la statue. D'accord, ok. Alors on fait un récapitulatif. Orchestre Debout a besoin des coordonnées de Chico Buarque, parce qu'on a un super projet à lui proposer. Orchestre Debout a besoin de chanteurs. Orchestre Debout a besoin de musiciens. Orchestre Debout a besoin de gens prêts à venir participer à la prochaine session qui aura lieu donc le samedi 4 juin sur la place de la République dans le cadre de la journée anti-TAFTA. Et puis, Orchestre Debout aimerait bien que nos militaires laissent jouer leurs musiciens avec nous, comme ils devraient en avoir le droit. Exactement. Et on vous invitera évidemment à revenir, Monseigneur Clément, pour nous raconter un peu où vous en êtes, où t'en es, dans tes avancées. Et puis surtout, tu viendras comme d'habitude, j'espère, t'extirper à la répète pendant 5 minutes pour nous dire un peu ce qu'on va faire. Et on suivra le vote de près. Donc allez voter sur le wiki d'Orchestre Debout pour les chansons que vous voulez voir chanter, jouer lors d'Orchestre Debout le 4 juin prochain. Merci pour ce récapitulatif. Et du coup, on va vous passer un petit sujet justement sur Orchestre Debout en espérant que Zoé soit là. Zoé est là, qui est notre violoniste et notre invitée musicale du soir et qui va venir nous jouer un morceau de musique. À tout à l'heure.